Ok, bonjour à tous, vous êtes avec Droid Choc. Aujourd'hui on va continuer Genshin Impact. Salut ma chip. Ça va et toi? Bon, alors de rappel, je suis niveau 9 dans l'aventure. Donc il me manque un niveau encore pour faire l'acte 2. Voilà, donc ici niveau 9. Parce qu'il me reste encore ça d'expérience d'aventure pour pouvoir continuer l'acte 2. Tranquille pour un matin, un jour férié. Ah oui, c'est vrai, c'est férié aujourd'hui. J'avais complètement zappé. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des jours de repos comme ça. Donc là, en fait, je reprends ma quête. Il faut que je retourne à Mondstadt. Hop, allez, c'est parti. Faut que j'aille jusqu'au centre. Propriétaire de vent de la gloire. Ok, on verra plus tard. C'est monté par là. Du coup, t'es quand même matinal, hein, ma chip. T'as même pas pris soin de faire une grasse mat. Quel dommage. Non, mais c'est bien, tu m'accompagnes pour début de matinée. Ouais, c'est ce que je vois, t'es déter. C'est pas ça que je voulais faire.
Allez là. Hop, Ember. Hey, here, over here. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Ok, donc on apprend à voler, on a déjà fait la première étape, et la deuxième, c'est parti. Oh, j'ai loupé les cercles. Ça le fait. Je recommence. Ah bah dis donc. Bah, pourquoi il s'est pas renvolé? C'est compliqué ça. Oh là 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 là. Je vais pas avoir assez de temps. Pas le point, il est là-bas. Oh! Je commence, il y a encore des cerceaux que j'ai loupés. Alors que je repasse. Mince, elle est où? Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Ouais, en fait, ils en ont rien à faire que je prenne pas tous les cercles dans les airs. Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Okay. What's going on? Please, show me your gliding license. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. Ah ouais, d'accord. Sévère quand même. Je suis en train de le passer. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me! With us chasing him down together, he doesn't stand a chance.
Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ok, bon, va falloir qu'on trouve le rapace. Je regarde s'il n'y a pas des coffres aussi, au cas où. Bon, est-ce que je vais pouvoir traverser ? Ok. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Je suis calme le matin déjà. Faut se réveiller doucement. Oh, hey, what do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows, it's from a frame of a wind glider. Therefore, there are no elemental traces. Alors, où est-ce qu'il est? Là. It looks like it's just a plain old tree branch. A strip. On va retourner au lit. Mais non, c'est pas le but. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wind glider. Wow, outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. Le troisième indice est là. It must mean his wind glider is broken. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Animal slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. Wait, are you telling me people actually do that? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. Le fameux bruit. On voit rien. Voilà. Ah bah, des méchants. C'est parti. Pouf. Ok, c'est bon. Thank goodness, the knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly trolls? But I thought the knights of Favonius had cleared out most of the hilly troll camps around these parts. It's a small camp, not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Hmm, now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open.
I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking. In what way? Oh, he was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase! Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Bon, du coup, on a retrouvé une trace du rapace. Le mec, il était en train de se faire brutaliser. Hop. Le petit point sur la map, il est par là. Oula. Have a little taste. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais pour descendre de l'arbre? Mince. Mais non, mais c'est pas possible. Rien que moi pour faire ça. Oh bah oui. Oh là là là, c'est quoi ça? Ok, la tornade ça sert bien. Wow. Oh, ils sont tous morts? Ah non, quasiment. Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny looking people too. Ah, j'ai bien perdu de la vie quand même. Wind gliders they've gone. I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. Alors, le petit point sur la map, il est par là. Which means Raptor still has it on him. Huh. Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him. Il manque combien de niveaux pour l'acte 2? Alors, je suis niveau 9 et il faut que j'ai le niveau 10. Donc, après, c'est... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Là. Il me reste 500 XP à obtenir. Donc j'y suis presque. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. Ah ouais, ils sont débarrassés en même temps. Faut pas que je me loupe. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly.
Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours! Ok, bon. Bah, dernière épreuve de planète. Mettez à profit les champs de vent proches pour rester en vol. Tout en esquivant les attaques ennemies. D'accord. Vous pouvez jeter des bombes lorsque vous vous trouvez en vol. Venez à bout de tous les ennemis de cette manière. Ok. Du coup, ils m'ont pas expliqué comment jeter des boules de feu. Comment je fais ? Ah oui, ça y est. Ouf. J'aime pas du tout cette vue. Ah ! Je suis pas restée en vol. Elle est horrible la vue. Je vois rien du tout. Je peux même pas relever la tête. Oh non. What? C'est quoi qui m'a explosé dessus? Attention au piège. Oh, il y avait un piège, je l'ai même pas vu. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go. Ok, j'ai réussi. Ok, ils m'ont fait changer de perso. De résurrection. Hey, comment déjà je vise. Voilà. Dans la tête. Et il est tombé, il est mort. Hop. On va casser les caisses. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, il n'y avait pas grand chose. Aïe, ça fait mal.
Je savais pas que ça attaquait les plantes comme ça, grimpantes. Ça te fait peur comment je combats, c'est ça? J'aimerais bien t'y voir, tiens. Je pense que je rigolerais bien aussi. Du coup, alors... Attaquez et détruisez la source d'alimentation pour déverrouiller le mécanisme. Ah, parce que là, je vais me prendre des coups de jus. Faut que je prenne Lisa, je pense. Bon, c'est ça. Ah. Ah mais non, je suis... Faut que je reprenne... Elle, Amber. Je sais pas, vu que c'était un truc de tempête, je me suis dit c'est peut-être l'autre, Lisa. Mais non. Non, ça sert à rien. Il n'y a pas de coffre hein, sur cette map. Hein. Je n'ai vu qu'un. Oh là. Ah, j'ai pas tiré ma flèche. Aïe. Ah, je me disais bien qu'il en restait un. Ah, mais oui, j'aurais dû tirer sur les barils. Ah, bon, là, ça a pas tiré, là. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Vite, casse-toi. Ok. Il est toujours pas mort? Ça leur a rien fait. Si je prends lui. Ouais. L'archère. Ah non, je peux pas. Enfoiré. What's the hurry? Ok. Allez, on y arrive. C'est le dernier. Yes.
cas, les combats commencent à se compliquer, donc ça fait plaisir. Par rapport au tout début, où c'était archi simple. Là, je vois la différence, en tout cas. C'est-à-dire, on voit ta différence de skill. J'en ai pas, c'est ça? Okay, un grand espace sans rien. Je l'avais pas vu, l'enfoiré. C'est même pas elle que je voulais prendre. Hop. Bah l'autre il est mort. Ma bombe elle a suffi. T'as rien dit mais j'ai très bien compris ce que t'insinuais hein, t'inquiète. Ah, c'est reparti pour voler, ok. Oh, oh là 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 là, j'ai fait... Oh là là, n'importe quoi. Autant tomber, ça sert à rien. Je me suis arrêtée de voler trop tôt. Pourquoi je suis arrivée ici? C'est parti pour mourir. Ouais, ouais, ouais. Fallait bien qu'il y en ait, hein. Des morts cons. Catastrophe. Oh mais non. Je crois que j'ai bugué. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, c'est pas possible. Mon dieu, je me fais peur des fois. Oh, un coffre. Non, c'est pas F ça. Ah mais c'est parce que je me trompe de touche des fois. C'est pour ça. Des excuses, bah c'est la vérité hein. Ok, là je l'ai pas fait trop tôt, ça va. It looks like there's no way across. He must be around here somewhere. Amber, over there. Ah, il est là. If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far.
Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius Outrider! You'll be sorry when I arrest you! Observe ton environnement comme tu m'as appris. You're right. Bien sûr que j'ai raison. J'ai toujours raison. He's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! We can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Tu vas voir, moi je vais réussir. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. On s'en blague. Ah là, Paimon et ses... Remember ces phrases à la con. You? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Allez, Raptor courage. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it. And that's good enough for me. J'ai pas entendu le vent, hein. Ah ouais, ah oui, il est archi loin. Il n'y a même pas de courant d'air. Amber, no, you're gonna fall, you're gonna fall. Et voilà. Wind current, she's gliding, Amber's gliding. You're crazy, kid. You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. Ah non. Ils sont niveau 15. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. You're open. Ah merde, elle est morte. Cool it. Just you watch. Ouh. Les esquives que j'ai fait là, c'était beau. Non. Oh. What's the hurry? Freeze. That's something special. Freeze. Here's something special. Way. Oh. Dodge this. You're open. Just you watch. Freeze. Time to fight back, I suppose. Freeze! Freeze! Come! Dodge this! Ouh! Eh, j'ai un peu plus de skill quand même qu'avant. Je commence à capter. Hein. Cool it. Oh, mince. Freeze. J'étais trop froide. Freeze. Ha.
Ok, lui il est mort. What's the hurry? Don't push your luck. Oh, so sorry. Ah, je l'avais pas encore testé celle-là. Oh, c'est génial. I'm not done. Oh mince, il est mort. Je suis pas perçu. The wrong test subject. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Just you watch. Temporary set. All right, I got him. La chatte, mais n'importe quoi, c'est le skill. Bon, j'en ai tué quand même deux de mes persos, mais bon. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. Ouais, ça fait 100% ça. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kind of missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. Pourquoi est marqué j'ai de la peine pour Jean? I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Ok. She just can't sit still, can she? Et bah ça c'est fait. Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral. Je vais pouvoir augmenter un petit peu mes persos encore. Pour le skill, t'as un doute? Bah, pas moi. Moi, j'ai pas de doute sur mon skill. Je vais augmenter maintenant mes persos. C'était là ou pas? Non. Ah non, c'est vrai, c'était C. Faut que je fasse C. Pour compétences. Ah oui, j'avais eu ces deux skills aussi. Ces deux personnages la dernière fois que j'ai joué. Noël et Sheng Yun. Je vais augmenter celle-là, parce que c'est une géo et j'en avais pas. Tac, niveau supérieur. Ah oui, j'ai plein de trucs, moi. Hop. Ajouter. Ah oui, non. Au niveau supérieur. Confirmé. Niveau 20. Ah oui, d'accord, oui. C'est le maximum. On va faire un autre perso. Elle. Niveau supérieur. Ajout automatique. Tac, niveau 20. Ça, je vais avoir tous mes persos au niveau 20. Si, c'est top.
Je vais être encore plus forte. Ouais, ça avance, ça avance. Ouais, tout ce qu'elle demande. Je vais faire d'abord elle. Puis je mettrai le reste à Ember. Tac. Et elle, on va lui mettre... Ah bah j'en ai encore beaucoup en fait. Ajout automatique. Ah bah tout. Tout ce qui reste. Niveau 15. Hop. Voilà. Non pas à elle. Hop, des artefacts. Et là, on va mettre pour de bonheur. Elle est full équipée, mais j'ai pas débloqué le set de 4 pièces. Collecter des moras, restaure 300 PV. Ouais, je sais pas. Hop, lui, on va en ajouter aussi. Équiper. Équiper. C'est les mêmes, non? Ah, en fonction de ce que tu choisis, t'as plus ou moins des différences. Là, celle-ci, il n'y a rien qui se rajoute. Et elle, on voit qu'il y a plus 5 de défense. Tac. Noël, on va tout lui mettre. Équiper. Ah non, il est déjà attribué celui-là. Plus 143 de PV. 9 de défense. 143. Je découvre aussi un petit peu comment on fait pour bien s'habiller. Bien s'équiper. Hop, je vais mettre celle-là du coup. Ah oui, là c'est ici que ça se modifie. Donc là on a la maîtrise élémentaire à 17. Là on a l'attaque plus 3,1%. Qu'est-ce que ça fait celui-là du coup? Je sais pas. Maîtrise élémentaire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, on va mettre ça. Voilà. Eh ben nickel, du coup je dois aller à la cathédrale récupérer mon permis de planer. Vas-y fonce. Ouais, je fonce. Ah non mais je récupère juste ce que t'as hein. Au revoir. Voilà. Nickel. Du coup, le point il part là. Il y a plein de petits trucs qui traînent. Mince. F. Je sais même pas, je suis en train d'aller par où. Je suis pas dans le bon côté. Ah non, il est des méchants. Je veux juste partir, moi. Ah! Laissez-moi partir tranquillement. Il y en a un qui a une flèche, à mon avis. Et... il va me tuer. Non, même pas. Ah, je peux pas escalader.
Come a little closer. Don't be such a brute. Mais what? Bah, allez. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Ah! Mais ils sont tous morts! Je me casse! Je suis pas du tout dans le bon sens. Je vais les ranimer d'ailleurs. Hop. Comment je vais... inventaire. I. Non, c'est pas ça. C'était où? B. C'était B. Ouah, toutes les armes que j'ai. Comment je les attribue? Équiper rapidement. Hop, ça c'est pour elle. Tac. Je ferai ça plus tard. Nourriture. Ça c'est pas mal aussi. Utiliser pour elle, oui. Hop. Comme ça, ils ont récupéré de la vie. It's nearly time for afternoon tea. Ouais, par contre, faut que je fasse demi-tour. Hein. Parce que là, je peux pas grimper. Ça fait comme une arche. La grosse pierre. Oh, c'est quoi ça? Un truc violet. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Non. Alors avec laquelle je vais pouvoir faire ça? Non plus. Lisa. Non bah non, je viens de la faire. Comment je fais pour avoir d'autres persos? Je peux en avoir que 4 max. C'est dommage. Bon bah, je ferai ça une autre fois, hein. Tant pis. Ça veut pas casser. C'est bon, je suis reparti dans le bon sens. Un sanglier. Ah non, y'a rien. Ah bah si, je l'ai tué. Je peux pas les casser? C'est étonnant ça. Ah, je l'avais déjà activé. Je suis tout là-bas. Champignon sur la route. Au revoir les pigeons. Oh, je peux tuer les pigeons. Je savais pas. Ouais, je récupère de la viande. Je vais pouvoir cuisiner.
va se faire du rôti. Nouvelle hobby. Ouais, 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 j'ai bien aimé les tuer. Pauvre pigeon. Ah, y a un truc ici. Bah. Ah, mais je l'avais même pas activé. J'ai gagné 50 points d'expérience en activant le téléporteur. Ce qui est chiant, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'endurance, donc ça tient pas longtemps en course. Je sais pas s'il existe des montures là-dedans. Du coup, je dois parler avec... Ah oui, non. Je dois rentrer. Ouais, toi non plus, tu sais pas. Et je verrai bien. On va faire le panorama. Waouh, quelle jolie photo. C'est la cathédrale de l'ordre de Favonius. Bah, comment je quitte? Je peux plus quitter la photo? Je crois que j'ai bugué. C'est trop bizarre. J'appuie sur toutes les touches. Ah, j'ai fait échappe, c'est bon. Il y avait une croix en haut. Mais il n'y a que moi pour pas voir de ce genre de choses. Hein. N'importe quoi. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! Ouais, je suis emboulée. I'm not surprised though. You are a natural after all. C'était facile. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. It's kinda boring. Tu n'auras aucune chance contre moi, Amber. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really... Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding, gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Ok, la quête est finie. Ah, il me reste que 100 XP à avoir. Pour augmenter mon aventure au niveau 10. Y'a rien à récupérer ici. Faut quand même monter, on sait jamais. Bon, je crois qu'il y a rien, mais bon. Ouais, y'a rien. Je peux voler ici? Oh oui. Hop, on sort. Alors, ma quête. Voilà, bon, je suis toujours pas au niveau 10, donc forcément je peux pas avancer dans l'aventure. Quête du monde. Préparatif. Paimon pense que vous devriez vous préparer pour vos prochaines aventures. Discutez avec Wagner. Eh ben, on va aller au forgeron. Hein, c'est pourquoi j'ai fait ça. Je sais où est-ce qu'il est, le forgeron.
Ah oui, et l'autre jour, quand on est reparti de mon stade et que j'étais en vol, je suis tombée dans l'eau et je me suis noyée. Mais j'avais pas compris pourquoi. Mon frère m'a expliqué que même en vol, l'endurance était utilisée, sauf que moi je l'avais pas remarqué. Et c'est pour ça, j'avais plus d'endurance en vol, du coup, vu que j'avais plus du tout d'endurance, je me suis noyée aussi. Why? This is the first Paimon's heard about it. What, so you want Paimon on the front line now? Ouais, j'aimerais bien que tu mettes du tien, Paimon. She's a tiny one, isn't she? It'd need to be purpose-built. Wow, he does bespoke weaponry? Of course. I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore. Ramène-moi numéré. Anywhere. Partout, okay. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Et je dois en avoir aussi dans mon inventaire, ça. Bring some back and I'll help you forge what you need. No need. I have other things to do. Ok. Il est pas très vendeur, hein. J'ai autre chose à faire. Il s'en fout des clients, quoi. He seems like a short-tempered guy. Was it something we said? What do you want? Oh, yes. I'd forgotten about that. Ben non, c'était à l'instant. Voyons. These are okay, I guess. Should be able to salvage something from them. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, je peux faire qu'un seul truc, quoi. Commencer. Obtenir. Et c'est tout. Et pour faire celui-là, il me faut, c'est quoi? Du fer blanc. Ok. Pour cette belle épée. Ah ouais, il y a plein de choses à avoir. Oui, ça va être compliqué. Hein. If you ever find ore in the future, you can always come and see me. Ideally when I'm not busy. Vous avez l'air de mauvaise humeur. A blacksmith's work takes focus and concentration. It does not take small talk with customers. Ah bah ça, j'avais bien compris. When the craft is good, business is good. It's all there is to this trade, and anyone who tells you different is trying to con you. And if there's nothing else, I'll carry on with my work. Bah dis donc, il est sympa. Hein. C'est quoi la suite de la quête du coup? Ah ouais, j'avais rien d'autre à faire ici. D'accord. Alors, collectionneuse de sceaux animaux. Paimon a découvert une boutique très spéciale. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille parler à Marjorie. Ah, je crois que je l'ai croisée tout à l'heure. Elle doit être sur le chemin là-bas. Hop. Juste là. Et bijoux. Welcome. Every treasure here is unique, guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's for sure. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. Okay. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? Ouais, je vais y arriver. J'ai pas le choix de passer par là, vu que il manque de l'XP. Ah, c'est long, hein, les quêtes annexes. Hein. Faut aller parler à tous les persos. Hop. It seems the animal archon approves of your adventures, then. More to the point, any animal sigils you find, you can trade in here for items in... Alors.
Mais à quoi ça va me servir en fait? J'en ai 66. Comment ça s'appelle ça? Saut à Nemo. J'ai 66 sauts à Nemo. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. Matériaux d'élévation de personnage. Ça peut servir ça. Je vais en prendre quelques-uns. Échanger. Prendre 3. Non, je l'ai pas installé la souris. Je t'avoue, je me suis réveillée ce matin, j'ai pas trop réfléchi. Oh, ça va. Non, je me suis levée tard, juste avant le stream, quoi. Ah mais je peux plus m'en prendre. Pourquoi? Hop. Voilà. Oui, tu pleures. Tu veux... Oui, faut que je la branche. C'est une souris sans fil. Là, en fait, je suis en train de jouer avec une souris filaire bas de gamme. Oh, ça suffit, hein. Et c'est vrai que ça va faire du bien d'avoir une bonne souris. D'où le manque de skill. Ah, tout de suite, c'est la faute de la souris. Absolument. What could be more beautiful than a gift from the animal archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that, but it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Obviously, the reason I need animal sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do come again soon, and bring me lots and lots of animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. Je sais même plus comment on obtient les sceaux d'animaux. Hop, je vais aller sur les persos. C'est pas ici. Ah, succès. Je vais avoir des récompenses en mon avis. Récupérer. Les primogèmes. C'est pour les invocations, ça j'avais bien compris. Ah, il y a encore un autre succès. Ah oui, là. Tac, primogèmes également. C'est bon, ça peut rien. Est-ce que je suis en train de regarder? Parce qu'on sait jamais, hein. Il y en a peut-être un qui peut me donner de l'XP. Les messages. Hop, récupérer de la bouffe et une plante. Ok. Message précieux. Ah oui, d'accord, il les stocke ici. Bah voilà. On va aller là. Du coup, ce que je viens de prendre... Je sais pas. Hop, artefact. ...3,1% de PV. Là, il y a du soin. C'est le même. Et de la crit. Ouais, bon, je sais pas. Et lui, la crit aussi. Mais je vais équiper celui-ci. Ah oui, j'ai lui aussi. Équiper. Lui, on va lui mettre de la défense. Il est niveau 1, donc je vais pas l'utiliser. Par contre, comment est-ce que je me positionne celle-là?
comment est-ce que je peux l'utiliser celle-ci? C'est quoi ça? Non. C'est pas ça que je vais faire. Je veux me l'ajouter dans mes touches là pour pouvoir l'utiliser comme perso. Je sais pas. L'équipe. C'est quoi ça? Ah, de l'expérience d'aventure et il y en a 100, donc je peux passer au niveau 10. Oh, nickel. Oh, mais j'ai plein de choses à récupérer. Non mais... Je passe à côté de certaines choses par moment, moi. Voilà, j'ai tout récupéré. Ça, c'est quoi? Ok. Je suis niveau 10. Nickel. On va passer à l'acte 2. Hop. Donc, une ombre plane sur mon stade. Grâce à vos efforts, les flux élémentaires de mon stade sont enfin revenus à la normale. Vous pouvez maintenant rentrer à mon stade. Oui, j'y suis déjà, donc il faut que j'aille voir Jean. Ah non, si, c'est pas affiché sur, sur la map. Donc, tac, suivre. Voilà. Bon, moi j'aurais réussi à passer à l'acte 2. Oh non! Je suis tombée. Ah, il faut aussi que je réincarne Kaya. Tac. L'œuf au plat, je lui donne. Isn't that Jean? Ah, tiens, une mystérieuse inconnue. Seems she's talking to someone. Let's let her finish, then go say hi. Which is what has brought us to this point in the first place. If you are unable to promptly deal with the Storm Terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? Yes. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply... an amicable exchange of constructive opinions. No, I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Delegation? From Liyue Harbor or in Azuma City? Shneznaya. They choose to follow the god of Cryo. Their envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Oh, them? They're super famous! Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo God's Fatui have always coveted the Animo God's power.
I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Il y a quelque chose que j'aimerais montrer au chevalier de l'ordre. Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Et voilà, début de l'acte 2. Mondstadt and Snechnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Teyvat. Makes sense, given the tone of that woman just now. So rude. Allez, on retourne au QG. Parlez à Jean, mais je viens de lui parler, c'est dommage. It's a crystal embedded with some kind of power. Ah oui, c'est ce que j'ai trouvé au tout début de l'aventure. Quand le dragon s'est posé dans la forêt, il y avait ça qu'il avait laissé derrière lui. Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection, no, I'm sorry, I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. So, I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Elle se fait mal. Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Un petit chou. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? I do not know what to make of it either. Mais c'est parce que je viens pas de ce monde. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grand Master. Je deviens chevalier honoraire. Honorary Knight of Favonius? We ask for your continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. We'll meet back here if you find anything. Okay. Du coup, rencontre inattendue, faut que je quitte le QG. Il y a plein de petits points qui brillent. Je récupère tout ça, comme ça ce sera fait. Ça, il y en a moins que dans la bibliothèque. C'est bon, j'ai tout récupéré. Du coup, je sais pas à quoi ils me servent les livres pour le moment, mais bon. Il faut que j'aille voir Paimon. Ah bon? The dragon and the crystal weren't the only things we saw. Ah oui, c'est vrai. So you do remember him, that green guy. He looked just like that guy down there. Ah bah oui, c'est lui. What? Bon, on va le suivre.
Il est parti par où? That green guy disappeared. Use elemental sight to track him down. Ma vue élémentaire. Activer la vue élémentaire pour voir les attributs élémentaires des différents objets à proximité. Ah, c'est génial. Donc, comment je fais? Mystérieux personnage a laissé des empreintes de pas qui appartiennent à l'élément Anemo. Poursuivez-le. La molette, j'appuie sur la molette. Ouais, je vois rien du tout. J'ai appuyé sur la molette pourtant. Ça me recentre juste la vue. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, ça y est. Enfin, en fait, mais il y a que moi pour. Il fallait que je maintienne la molette. Je suis sûre que c'était écrit, hein, mais bon. De quoi l'ami? His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? Ah, l'ami molette, ok. Quel jeu de mots, Mochip. Sur la lépa. Je m'entraîne pour le Jamel Comedy Club. T'as encore un petit peu de travail, hein. Je te rassure. Le voici. Le jeune homme en vert. To be sung transpired in days of yore, when the divine Archon still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The windborn bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in Lone Stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls,
And amidst the windstorms, a brutal war sprang. Blood of venom sent the Sky Dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy liar replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the liar could no longer soothe his cries. Wait, you guys are... Ah ouais, en fait, la gemme rouge qu'on a récupérée du dragon, c'est une de ses larmes. Oh, that's right. You're the ones that scared D'Valin away. D'Valin? Who's that? Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Bonjour, Silex Suprême. Comment vas-tu? Oh, so close. Hey, so... Paimon thinks this guy has a screw loose. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. Three-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. So, what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm Terror! Storm? Hey! Cut it with the amnesia act! All right, show it to him. Oh, isn't this... Pourquoi elle est bleue maintenant? Elle était rouge à la base. What? The crystal has been purified? When? D'Valin, he... The anguish he feels has brought him to tears. À quel moment je l'ai purifié? Je sais même pas. Mais ouais, ça va. Ouais, je débute le jeu. J'ai commencé il y a la semaine dernière. Venti l'a fait. Ah d'accord, ok. Tears. Et toi, tu joues aussi à ce jeu-là? He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Huh? You really do have some wonderful abilities. Someone like you is going to end up getting written into a bard's poem. Oh, a hero so bright, should she stand in the light. Though stand in the shade, and you'll be met by a blade. Alas, I've really not the time to compose a melody for you at this moment. Anyway, even if D'Valin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. He'll burn himself out in the flames of anger. Thank you for that, and for purifying the teardrop crystal. But I have my own plans for what is to follow. Oh? And what plan would that be? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Bye-bye. Huh. What do you make of that? As far as he's concerned, you're a weirdo too, you know. Know what? Ça va, mais familière. Familiar? Ouais, toi aussi, t'y joues. T'es à quel niveau d'aventure, du coup?
But did he just say symbol of Mondstadt's hero? Oh, Paimon knows it's that huge tree. Rendez-vous avant levée. You know, the gigantic one. You can't miss it. Surely you still remember. Ah, c'est 60 le max. Je savais pas, je pensais que c'était plus. Ah, parce que vu comment la map elle est énorme. Enfin mon frère il y joue, du coup j'ai vu la map en entière. Je pensais que c'était plus que 60. Ouais, c'est plus compliqué de monter à partir du 55. Ah, t'es presque à la fin à 55. Ah, un coffre. Non, je suis pas étendu assez. I'll keep this close. Bon bah y avait rien dans le coffre quasiment. Franchement ouais j'aime bien le jeu. Hein. J'aime beaucoup les décors. Vraiment le graphisme j'adore. Et puis la façon de jouer aussi. Bon par contre je t'avoue j'ai mes préférences en perso déjà. Par exemple, Ember, je la prends vraiment si c'est nécessaire. Sinon, je l'utilise pas. Oh, what are you doing here? Though I was just wondering if you would happen to follow me. You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... Quelqu'un nous a parlé du passé du dragon. Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm quite curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. The wind. I can't ouais. Open my eyes. Je t'avoue, j'aime bien aussi Keya. What is a creature like that doing? Il va m'attaquer. J'aime bien parce que en fait quand quand il combat, il se téléporte derrière l'ennemi. C'est top. Je peux pas. Hop. Come a little closer. Il va exploser ou quoi? Non, c'est bon. Oh, je m'en doutais. Pourquoi j'arrive pas à l'atteindre? Skill légendaire, ouais, c'est ça, moque-toi, Mochip. Ouais, j'aimerais bien voir tous les persos.
Oui, 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 oui. Pourquoi il y a un livre qui s'est apparu? Come a little closer. Je l'atteins pas. Ah, le livre, c'est son arme. Il va me faire une tornade. Si tu lui mets du feu, tu le verras. Qu'est-ce qu'il m'a fait là, le machin? Tu lui mets direct du feu, ça ferait. Ouais, mais si j'utilise le feu, c'est Ember et c'est trop compliqué. Pourquoi on est en mode lent? Je sais pas. Et donc, bah, j'aime pas Amber. Juste, tu lui mets du feu. Ah, ok, bon, bah, prochaine fois, je saurai. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite the scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of his degradation. Degradation? The black blood flowing through his heart has been torturing him for years. That's what has allowed him to be led astray by the lies of the Abyss Mage. They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Yes, it was you! So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. The Mondstadt Cathedral? To do what exactly? To claim a certain holy liar de Himmel. Let it rain. Ah ouais. Ah, c'était pas mal ça. C'est vrai que j'aurais dû utiliser Ember à ce moment-là. Tant pis. Du coup, tu m'as parlé des persos.
C'est son ulti, ça. Bah, c'est top, j'aurais dû l'utiliser, c'est vrai. Du coup, on retourne à la cathédrale. Je fais échappe. Ok. Échappe. Ah, c'est ça, non? Non, c'est le mien, ça. Ouais, ça, c'est le mien. Puis, archive. Pas besoin de marcher tout le long. Oh, c'est vrai. Non. Ah, c'est pas là, alors. Ah, oui, j'avais pas vu. C'était juste à côté. Ok. Ouais, donc celle-ci, là, c'est celle qui est actuellement dans les invocations. Ça, je l'ai vue. Wow, je sais pas combien il y en a, mais il y en a tellement. Ouais, moi, j'en ai que 5. Enfin, 6 avec la voyageuse, mais bon, elle compte pas trop. C'est la plus chite, ah bon ? Ouais, j'aimerais bien l'avoir, hein. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Après, au niveau des éléments. Ah, le vert, c'est quoi ? Comment on voit l'élément détail ? Anémo, ok. Donc ça, c'est un élément que j'ai pas encore, l'anémo. Après, les autres, il y a celui-là, le bleu. Je crois que j'ai pas non plus. Hydro, ouais, j'ai pas encore. Et là, j'imagine que c'est la santé, ça. Dendro. Ok. Bah, il me manque 3 éléments encore. Ah non, il y a celle-là aussi. Non, Géo, je l'ai. Ouais, donc il me manque 3 éléments de perso. Pour tout connaître. Bah du coup... Yes, je me téléporte. Non, parce qu'en fait, depuis le début du jeu, j'arrête pas de marcher, moi. J'ai même pas le réflexe de me téléporter. C'est vrai que ce serait moins long, c'est sûr. Ouais, c'est bien la marche à pied, mais bon, en jeu, c'est pas très utile. Hein. À part quand il faut récupérer des choses sur la route. Ouais, 1100, ça risque de faire beaucoup. Là, déjà, quand je vois 500 affichés, je me fous. Dehamel is one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. Ouais, ça fait de la randonnée, c'est sûr. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Stormcare from causing more damage? Of course. I'm the best bard in the world. Mais le TP de mon stade, je l'ai activé là il y a une heure, hein. Je l'avais même pas remarqué, hein. There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the holy lyre? Ouais, je fais pas très attention. It's said that it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want.
Ah, de toute façon, tu vas le voir si tu continues à me suivre dans mes lives. Je suis un petit peu tête en l'air. Let me handle this. Hello there, sister. May the animo god bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of animo. Ouais, un petit peu beaucoup du coup si on fait un mix. But you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help Storm Terror. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Elle en a rien à faire de ce qu'il vient de dire. Oh, wait! Huh? She didn't even bat an eyelid. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the Holy Lyre. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Elle s'est barrée là-bas. Barbados bless you. Bonjour, ma sœur. Ah, it's you! The newcomer of the Knights of Favonius, aren't you? So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicious bard came looking to borrow the Holy Lyre as well. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and Community Representative are all required. So, may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Now, if you'll excuse me, I really am quite busy as of late. Ah ouais, d'accord. Elle va être chiante, cette religieuse, hein. Niveau 11. Parler à Venti. Hop. Oh, it didn't work. I knew it. You knew it? I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. La nouvelle star de l'ordre. Ouais. Depuis 5 minutes. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet here we are. Does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very eyes. Very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Today we stand for free will. Any suggestions on just how we steal it?
Ah, il vient de dire que j'allais faire quelque chose qui n'est pas légal. Je vais devenir une délinquante star. Come now, speak up. That's what free will is for. Look at you, sidetracked from the start. But seriously, you're more suitable for the job than I. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice of my arrest. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are different for you. You are the superstar of the Knights of Favonius. You have made contributions to Mondstadt. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here, it seems they're off duty throughout the night. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth sailing from here. Stop mentioning us getting caught! What do you say? Tu as dit être Barbatos. Ah, yes. Seems I did mention that. Your point being? On ne peut pas te perdre de vue si tu es vraiment Barbatos. Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. Et de toute façon, j'aiderai Devaline, je sais plus comment ils l'ont dit, même si tu n'es pas un archon. Hein? Je vais te ramener Imel, la lyre sacrée. Vous pouvez avancer dans le temps, dans le menu Paimon. Il vous suffit d'ouvrir le menu Heure. Déplacer l'aiguille jusqu'à l'heure souhaitée. Alors. Et il faut que je mette quoi? Ah oui, c'était la nuit, c'est ça qu'il a dit. Confirmé. Ah, ils ont dit l'heure à mettre. J'ai pas fait attention. Ah, c'était 18h. J'avais prévenu, hein. Je suis tête de linotte. Hein. On recommence. Des fois, ça dit le lendemain, le surlendemain. Ah bon? Voilà, du coup, je suis le lendemain. Donc, je suis même pas le soir même du même jour. Ah, ça y est, ils s'en vont. Moi, c'est silence. Ah là là. Eh oui, je suis enchantée aussi. Il y a du monde ? Non. Ah si, il y a quelqu'un. Bah, il y a plein de monde en fait. Ils me voient tous là. Non. Oh là. Oh mais... Si l'œil est rouge, ils te verront. D'accord. Ah, je peux pas sauter.
Attends, du coup, j'ai pas vu où est-ce qu'il était. Il est parti. Bon, bah ça va, hein, c'était facile en fait. Possible. Alors, je crois que ça c'était pas prévu. Je suis morte. Ah. T'aimes bien le Japon? Moi, je sais pas, j'aime bien l'anglais. De toute façon, je comprends rien au japonais, alors bon. Fais-toi attraper, comme ça tu recommences. Ah ! Mais non, mais pourquoi il fait ça ? Ah ! Fallait que je saute. Oups. Ah, voilà. Elle est où la suite? Mince, je veux descendre. Master Diluc, this is this week's accounts. Ouais, ça dépend en l'anglais, hein. Si je me concentre bien, ouais, mais sinon, je lis. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Merci pour le follow. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Comme ça, t'auras l'alerte quand je me remettrai en live pour du Genshin. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Cachez-vous à l'étage. Non, je fais aussi du avatar en ce moment. Master Diluc, have you seen two thieves around? What happened? Why have you mobilized so many guards? Haven't you heard, Master Diluc? Two thieves are trying to steal the holy lyre. Huh? How odd. Isn't it? The holy lyre is a treasure that was played by the god of animal themselves. Such a precious piece of cultural heritage. Why would one want to steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my cellars. Huh? Sorry, off topic. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master Diluc.
Today, I think I'll have a glass of... You can put down that bottle you stole from behind the counter. Ah, c'est vraiment un voleur avéré, quoi. Something cold. Right. I want answers. Let me finish my drink first. I'll pay you. Well, with a performance. It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were still... Oh, you want to ask, who's this? Am I right? He is Master Diluc, the boss of... the owner of this tavern. He's very famous. By the way, his dandelion wine is one of my favorites. Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thieves from the guards. For the record, I like your guts for trying to steal the holy Lyre de Hamel. Even if you are fools, but we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot? Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Plus que j'aimerais. Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui? Weak and conservative. Forget it. I don't feel like talking about it. Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the Holy Lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated in their affairs. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make my own judgment. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the Holy Lyre. It all depends on your story. Very well. Let me put on a show. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. You should be safe. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Bon bah voilà. Et bah je vais m'arrêter sur cette mission. Pour info, je serai en live pour du Genshin vendredi matin, même heure, 8h, 10h. Et sinon, demain soir, de 17 à 19, sur Avatar. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette journée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui lurquent, n'hésitez pas à vous abonner. Salut! À la prochaine.